de sa terre, de sa maison. C'est un agriculteur et il va être expulsé là le 9, le 10. Donc nous avons vraiment besoin de votre soutien parce que sa terre a été achetée par un non-agriculteur. Et voilà, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui se passe un peu dans toute la Corse. C'est-à-dire que toutes ces terres agricoles sont vouées maintenant à disparaître. Et nous essayons d'alerter toutes les personnes, parce que des gens comme Jean-Michel, bientôt, eux aussi vont disparaître et nous n'aurons plus donc une agriculture normale. Toutes ces terres vont être vouées à la spéculation foncière. Donc voilà, pour Jean-Michel, ce soir, les musiciens qui sont là vont jouer pour vous. Et puis il y a ce petit chapeau devant, si vous pouvez laisser quelque chose. Mi ricordo lo molino, lo facia che cantava, uomini che passava, si piantava a chiacchierando l'aiutava a traditionnel, donc ils m'amènent leurs olives. Et donc pendant toute une période de l'année, en fait, à partir de l'hiver jusqu'au printemps, il y a une certaine production. Bon an, mal an, mais disons une année moyenne et une année plus bonne. Et donc je triture, je conditionne les olives, je fabrique de l'huile d'olive et tout est fait ici, tout est fait vraiment, tout est fait à l'ancienne, à la main, avec ce moulin là, donc qui, comme vous pouvez le constater, avec deux meules en granit italien, un moulin très ancien,
qui date des années 20, 1920. Et c'est là que je mets les olives, c'est là que j'écrase les olives, telles qu'elles se trouvent. Les olives arrivées à maturation. Et je fais tourner, donc, je fais tourner ces roues pendant, selon la quantité des olives, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je récupère ma pâte, là cette la pâte, donc les olives écrasées, ça forme une pâte, je dirais pas une purée, mais presque. Oui, alors j'en ai gros le cœur de devoir un jour quitter ce fameux moulin. D'abord, c'est ma vie, c'est là que je suis né. Hein. J'ai toujours fait ça, c'est ma passion. Et en même temps, c'est aussi par respect ce que m'ont laissé mes anciens, mes ancêtres. Et aussi par respect pour ça. C'est toute une vieille histoire. C'est toute une famille qui va disparaître. C'est tout un savoir-faire ancestral qui va disparaître. Il faut que cela cesse. Et je me battrai, moi, de mes propres, le peu de moyens que j'ai, le peu de moyens pour essayer au moins de sauver ça, de préserver tout ça. Si le moulin disparaît, viendrait à disparaître, c'est non seulement ça sera ma mort assurée, ça sera la mort de plein de choses. Il y aura plein il n'y aura plus que de l'industriel, quoi. Et beaucoup même qui m'amènent les olives, beaucoup de paysans du coin ne veulent rien savoir. Hein. Ils préfèrent plutôt ils abandonneront eux aussi leur terre. Travailleront plus sur ces oliviers. Ils laisseront leurs oliviers à l'abandon s'ils savent qu'un jour ce moulin n'existera plus. Et c'est franchement pour moi. Ça serait pour moi un déchirement complet de tout abandonner, comme ça. Et je me battrai pour tout ça, je me battrai jusqu'au bout. Spinella, si sta con l'arme d'ore che fuggirei tu. Ora una fronte, un ascello, mi dà del mio spirito. Com'è e l'antico corso mi divora, pronti se ma tu ma è pronta ora. Com'è e l'antico corso mi divora, pronti se ma tu ma è pronta ora. Il habite là-bas, on le voit, il n'est pas riche, c'est un simple modeste. Et donc il se bat tout seul contre toutes ces autorités et contre le nouvel ordre mondial et la franc-maçonnerie, qui sont tous impliqués. Lui, il ne le sait pas, mais on le sait. Et il s'organise pour voler de la terre aux gens. Donc c'est ça qui se passe. Et après, on finira comme ça, croisé sur les croix, crucifié.
centenaire qui a été acheté à la Première Guerre mondiale, hein, de mon arrière-grand-père, et qui ont toujours été entretenus, qui ont été grâce à mes ancêtres, grâce à moi, et on a toujours vécu de ça depuis des décennies et des décennies. Et comme vous pouvez le voir, du jour au lendemain, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, que de dire qu'une crapule a débarqué un jour dans un tribunal suite à un malentendu, un problème d'indivision. Et cette personne-là a surenchéri, a fait monter les enchères. Et évidemment, beaucoup trop pour un pauvre paysan comme moi, comme mon père, qui n'attendons pas les subventions, qui n'attendons pas où on ne faisait ça et on a toujours fait ça que pour manger, pour vivre, pour élever nos familles. Et cette personne a surenchéri, a fait maintenant on veut faire de cette terre, à cause aussi de, j'accuse ces hommes politiques qui sont pourris pour moi, et la justice qui n'a pas fait son travail, les administrations compétentes, la profession, personne n'a, on a tout fait pour me descendre. Pour moi, actuellement, je suis un homme, je me sens comme un homme mort. Et je n'aurai rien, je partirai d'ici, une main devant, une main derrière, je n'aurai plus rien. Et comment on peut accepter tout cela avec une famille élevée, avec des enfants, il y a tout, il y a mon sang, il y a toute ma vie elle est là. Comment, sous prétexte qu'on me mettrait dans un HLM entre quatre murs. Donc pour moi c'est aller dans une prison, droit dans une prison, c'est tout. C'est toute une vie foutue et je ne peux l'accepter. Qu'on me rende le plus vite possible, qu'on me rende cette terre, qu'on me rende mon sang, mon honneur. Je n'ai jamais fait de mal à personne, jamais. Je n'ai jamais tué personne. On a toujours été des gens honnêtes, travailleurs. On n'a rien volé à personne, rien. Mais par contre là, on me vole. Une crapule m'a volé ma terre et ça, je ne peux l'accepter. Il faut arrêter ça. C'est un massacre. Il faut respecter les anciens, il faut respecter. Donc, tu ne reçois alors donc absolument rien pour tes terres qui t'ont volé. Je ne reçois même pas un sou. Pendant que certains ont encaissé beaucoup d'argent, moi je ne reçois rien du tout. De tout ça, rien. Donc, je m'en vais une main devant, une main derrière, alors que j'ai tout fait pour préserver cette terre. Je suis la quatrième génération, je suis le seul enfant de la famille à avoir voulu reprendre cette exploitation. Pas pour m'enrichir, l'argent je m'en fous, ne parlons pas d'argent, de subventions, de primes, je m'en fous. Donc avec une histoire de pot de vin et de la corruption, ils t'ont exproprié de ta terre et l'ont vendu aux enchères pour un prix de 360 000 euros. Pour un prix de 350 000 euros. Et toi, tu touches absolument rien. Absolument rien du tout. Comme un clochard, toutes tes terres. Je vais montrer la terre ici, donc ces oliviers. Voilà. Jean-Michel, il travaille très dur. Ici, c'est pas facile à travailler. Ça appartient tout à lui, jusqu'à la colline là. Et encore plus loin, la maison, elle est là derrière. Ils ont complètement volé la terre de ses ancêtres avec une histoire de franc-maçonnique, le pharaon, le nouvel ordre mondial, lui a piqué ses terres et lui, il sera criminalisé sans honneur, comme un criminel. Ils vont l'arrêter donc le 10 septembre et il ne touche même pas un sou pour faire louer donc, un appartement dans un bloc quelque part, zéro euro, même pas un euro. Ils ont volé tout ça, c'est superbe, Olivier. Tu fais aussi de la biologique ici? Oui. Respect, donc c'est un homme bien qui fait même biologique et... respectueux de la nature. Exactement, et respectant l'autrui, quelqu'un qui respecte l'autrui. Et respectant l'autrui, oui. Tout à fait. Et je le répète, je suis toujours les conseils de mes ancêtres,
Ils ont toujours travaillé ancestralement, artisanalement. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui prime. D'ailleurs, beaucoup me le font voir encore. Hein. Parce que sinon, ils ne m'amèneraient plus d'olives au moulin, parce que je travaille toujours dans un système ancestral. Un système, certes, qui est de plus en plus dur, parce que je suis seul, mais un système vraiment qui y a encore. Si on perd ces valeurs-là, on perd tout. C'est la mort. Ouais. La mort est assurée. Pour moi, maintenant, c'est ma mort assurée. Il faut le dire. C'est féodal, hein. C'est l'aristocratie. Comme j'ai expliqué dans le Pharaon Show, il faut voir le Pharaon Show. S'il y a un nouvel ordre mondial, il y en a un ancien ordre mondial, et c'est l'aristocratie. Et ceux qui font là, donc c'est l'aristocratie avec un système féodal qui prend les terres de ce Corse Jean-Michel par des gens qui ne sont même pas Corses, qui viennent d'autre part, de la Guyane, du continent, de la France, qui ont tout le pouvoir. Et ce ne sont même pas Français, ce sont des pharaons, l'aristocratie. Donc dans le nouvel ordre mondial, le pharaon c'est devenu l'aristocratie, et l'aristocratie, c'est l'ancien ordre mondial, est devenu la franc-maçonnerie qui s'organise tout dans des châteaux avec des coutumes et des vêtements et des petits sabres. C'est ça le pouvoir. C'est très touchant, c'est criminel ce qui se passe. Comme vous pouvez le constater, c'est une oliveraie centenaire qui a été retapée, régénérée donc par mes ancêtres et par moi-même. Et c'est là où j'ai toujours produit une des meilleures huiles d'olive, je ne dirais pas une des meilleures huiles d'olive de Corse, mais une des meilleures huiles d'olive artisanales reconnues par mes pères, reconnues par beaucoup aussi de gens de la profession. Hein. Et on m'arrache, et là on est en train de m'arracher mon cœur, mes tripes, tout, mon sang, ma vie. Et comme vous pouvez le constater, c'est tout un territoire, toute une terre là où on est, là où je suis. Une terre qui m'a vu naître, qui a vu naître mes ancêtres, je ne sais même pas comment pouvoir expliquer. Si demain je n'ai plus ça, si ce soir je n'ai plus ça, c'est ma mort assurée, c'est ma mort. C'est fini, je n'ai plus qu'à me pendre, hein. Pourquoi ? Regardez, tout ça pour l'argent. Pour des hommes qui ne comprennent rien du tout, des hommes qui sont prêts à tout pour faire aller le pauvre paysan, le pauvre agriculteur, le pauvre homme honnête, des pauvres gens, des vieilles familles qui ont bâti, qui ont construit tout ce que vous voyez là, vous pouvez voir tout ça. C'est de la criminalité organisée, hein, c'est une mafia organisée. Ils disent que les Corses, ils ont... une mafia organisée, mais en fait c'est la franc-maçonnerie avec la base la Suisse et tout ça, où il y a toute cette élite financière, c'est ça la vraie criminalité organisée. Hein, tout à fait, c'est inadmissible des choses pareilles, c'est inadmissible. Alors je me sens comme, pour moi maintenant, je suis démuni, on m'enlève toutes mes forces, je suis démuni, je n'ai plus rien, je ne peux compter que sur moi-même, sur ma force physique pour essayer de résister. Je suis bientôt un criminel alors que je n'ai fait rien à personne. Ma famille, on n'a rien fait à personne, on n'a jamais rien demandé à personne. On n'a fait que trimer pour élever nos familles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, c'est un massacre. Un massacre, c'est inhumain. Voilà. Tu rispondi al lume cantoso, chi mi parca tu mi confondi, quando
tu verso poroso. Dimmi per quali nostri amori un malumanto si è mondo. Dimmi per quali condizioni l'aglio di uti umano. Alors, c'est la plage abandonnée, là où il n'y a personne, où j'ai dormi, là environ, que j'ai filmé avant, c'est la Liamone. Et ici, donc, c'est Sagone. Et là, environ là, c'est la maison de Sarkozy. Et je suis donc sur la terre, la propriété de ce paysan corse qui travaille avec des olives. Qui sera expulsé, malgré le fait que sa famille a été ici pendant des centaines d'années, plusieurs générations, beaucoup de générations, ça appartient à lui. Et on peut être très très sûr que M. Sarkozy, l'ancien président de la France, il a ses petits doigts sales, pharaoniques là-dedans, avec ses francs-maçons, et ses pharaons et ses aristocrates. Ils sont tous les mêmes. Et après, ils vont dire, oh, mais les Corses, ils sont tellement agressifs et dangereux. Bon, on les expulse de leur pays, de leur terre. Tu penses qu'ils vont rester gentils? Eh non, hein. Toute une famille, trois pauvres enfants seront expulsés de leur chambre, de où est-ce qu'ils vont dormir, hein? Donc, il veut faire apparemment un centre équestre. Mais il y a un moulin ici, c'est le seul moulin en Corse. Où les paysans qui n'ont pas un moulin peuvent laisser faire leur huile à olive d'une façon artisanale avec leur étiquette de leur huile là-dessus. C'est le seul moulin. Et bien sûr, des choses sympas, écologiques, agriculture. Le nouvel ordre mondial veut le casser, c'est évident. Il veut que des grandes entreprises. Ou les chefs de tout ça, ce sera de genre Sarkozy et tout ça. Quand il était ici, encore Sarkozy, il a écrit son nom, S-A-R-C-O-S-I. Et Sark, ça veut dire un roi, dans la langue pharaonique, comme j'explique dans Le Pharaon Show. Va aller voir Le Pharaon Show. Pour comprendre, l'ennemi de l'intérieur est très réel, est très puissant. Et il délègue la police, c'est aussi les vôtres. Pas les nôtres, pardon, les vôtres, c'est à eux, la justice, corrompue, franc-maçon. Donc, oui, c'est la vie des Corses. Ils ne résistent pas sans raison. Ils veulent vivre sur leur terre, tranquille, où ils ont toujours vécu. Et après, d'un coup, il y en a des gens comme Sarkozy, et ils s'installent à Sagone. Il a toujours peut-être regardé, il a marché ici sur la colline et pense « Un jour, ça sera à moi. » Alors on peut dire que c'est le nouvel ordre mondial, Sarkozy, le pharaon, contre un pauvre paysan corse. C'est ça. C'est le paysan corse, on peut bien voir, il n'est pas riche. Et là, juste à côté, il y a Sagone, il y a 2 minutes où il y a le point de vue là. Donc là, il y a le nouvel ordre mondial. Et là, il y a le pauvre Corse. Merci Sarko, hein, mais c'est génial hein, ce que tu fais là. Bon.
Le retour. Le maquis. Alors ça, c'est le nom de la maison de Sarkozy, Casa Cuglioli. Alors là, derrière la maison de Sarkozy à Sagone, et là, il y a le rocher où j'étais dessus. J'ai le paysan Seni qui va être disproprié. On lui a volé ses terres avec des pots de vin et de la corruption. Pyramide à Sagone. Pyramide à Sagone. Sarkozy par là. La terre de ce Corse, Seni, pas là où j'étais l'autre jour. Donc ici à Cruceta, sur le rond-point, les francs-maçons ils mettent souvent sur le rond-point, donc il y a trois piliers. Là, pour Horus, Seth et Isis. Alors pour aller en Corse et pour rentrer, c'est comme de la douane, c'est vraiment la folie. Partout en Europe, il faut plus de passeport, c'est Schengen ou c'est quoi, la Commission européenne. Sauf pour aller en Corse, là, c'est un autre pays. C'est bizarre, hein? Indépendance en Corse.